Coucou. Salut à tous. Bon, aujourd'hui on est toutes les deux entre filles et on se fait une journée shopping. Yes. Voilà, donc bon, maintenant Amy elle me dépasse. On vous emmène avec nous. Mais en tout cas, on vous emmène avec nous pour une journée shopping. Bon, du coup, on prend la voiture? Bah ouais, logique. Attends, t'as déjà conduit ou pas? Non. Tu veux conduire? Laisse-moi conduire. Tu veux conduire? Ouais. T'es sûre? Ouais. T'as déjà conduit un petit peu ou pas? Bah non. Jamais. Parce qu'en plus, c'est une automatique, hein. Bon, t'as juste à accélérer et freiner. Ouais, tranquille, ça va. T'es sûre? Non, si, c'est bon. T'es sûre, hein? Oui. Tu me fais confiance? Vas-y, allez, je te fais confiance. Ok, vas-y. On verra ce que ça donne. Hein. Non, non, par contre, s'il arrive quelque chose, tu me fais pas un procès, hein. Bah, pourquoi tu crois qu'il va arriver quelque chose ou quoi? Ouais. Non, je stresse. T'es sûre? Alors, ton pied gauche, il sert à rien. Ton pied gauche, tu t'en sers jamais. Ok, donc là, juste. Donc là, non, là, tu. Là, elle est pas allumée, là. Non, déjà, t'appuies sur le frein pour l'allumer, hein. C'est quoi le frein? Déjà, elle me dit, c'est quoi le frein? Mais oui, c'est au milieu le frein. Elle me dit, c'est quoi le frein? Mais y'a pas de frein. Mais si, y'a un frein. Mais sinon, tu fais comment? Mais c'est que reculer et avancer. Mais non, y'a un frein. Non, mais là, elle me fait peur, là. Y'a un frein. Au milieu, c'est le frein. C'est pas reculer? Mais non. Pour reculer, c'est reculer, là. Ok. Non, mais moi, Tino et Lenny, ils ont déjà conduit ma voiture. Je les fais conduire des fois. Attends, tu me fais peur, là. Du coup, là, c'est juste stopper. Là, au milieu, là. Milieu. C'est le frein. Ok. Là, tu vois, non, mets ton pied dessus. Là, c'est le frein. Ok. Et là, c'est l'accélérateur. Okay. Mais surtout, c'est une automatique, ça part vite, donc t'accélères pas vite. Oui. T'accélères doucement. Là, t'appuies sur le frein fort. Là, on peut même non, là, t'appuies sur le frein fort. Et tu t'appuies là. Seigneur. Non, vas-y, appuie fort. Attends, on a même pas la ceinture. Ah oui, la ceinture. Là, non, en vrai, là, je stresse. Mais moi, je stresse. Là, en vrai. Eh, je vous jure, c'est pour de vrai en plus, les gars. En vrai, je stresse. Attends. Attends, alors là, freine fort, tu freines fort. Voilà, freine fort. Non, mais pendant que tu freines, t'appuies là, vas-y, freine fort. Voilà, là c'est démarré. Ok, donc là, tu restes sur le frein. Non, reste sur le frein. Tu passes sur D, tu tournes jusqu'à D. Voilà, mais c'est quoi ça? Tu n'es pas en mode sport, D c'est pour accélérer, pour avancer, tu vois. Okay. C'est départ. Et là, t'accélères tout doucement. Tout doucement, Amy. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais là, j'accélère pas là. Ouais, doucement. Oh là là. C'est une malade! Doucement, Amy. T'as déjà fait la voiture auto-tamponneuse? Pas doucement! T'inquiète. Elle me fait peur, oh là là, elle me fait peur! Tu fais quoi? Elle marche arrière, carrément, elle s'arrête, là! Doucement! Oh là 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 là! Amy, doucement! J'ai peur, je vous jure, j'ai peur! C'est pas une conduite ça, c'est pas possible. Mais comment on fait ça? T'as quel âge, Amy? Doucement. Vas-y, remets, marche avant. Oh. Attends, va par là, on va faire demi-tour. Merde, j'appuie sur le... Va par là, on va faire demi-tour. Stop. Ouais, bah y'a le truc. Ah. Putain, stop. Attends, je crois que t'as foncé dans... Quoi? Non. T'as foncé dans le... Oh. Ah non, oh, arrête, putain, non, merde. Non. Oh merde. Attends, viens. Attends, viens, on sort. Éteins la voiture. On sort. Oh. Ah bah ouais. Oh purée. Regarde, t'as foncé dans le truc. Viens voir. Il y a un chien. C'est quoi ce chien? Qu'est-ce qu'il fait là, le chien? Oh, t'as foncé là-dedans. Non, merde, non. Oh purée. Bon. C'est toi, hein. moi je sais pas. Mais moi arrête, c'est pour toi. C'est toi qui m'as dit de conduire, hein. Ouais, mais c'est pas moi qui a foncé dedans. Ouais, c'est toi qui m'as dit de conduire. Ok, attends, mais. Ah, puis c'est bien rayé en plus, hein. Au pire. On remonte. Je recule. Ah, tu fais plus rien. Tu touches plus à rien, c'est mort. Mais en vrai, ça, en fait, ça va. Bah, il faut que j'appelle Teddy. Hein? Non, mais Teddy, il va me défoncer. Bon, je vais dire, on a eu un souci, je vais pas dire c'est qui pour l'instant. Teddy va me défoncer, hein. Non. Je vais dire, on a eu. Attends, ouais. Ouais, oui. Ouais, ça va? Et toi? Ouais. C'est longue depuis tout à l'heure, là. Oui, on est un peu longue, on fait du shopping et tout. Est-ce que tu pourrais venir, tu sais, pas loin du collège, là, quand on prend la route, parce que. Bah, en fait, on a eu un genre de petit accrochage, mais léger, tu vois. T'es sérieuse, mais. Toi? Mais, tu sais pas conduire ou quoi? Bah. Attends, là je suis avec les parents.
Je suis avec les parents et elles veulent que vous venez les chercher parce qu'elle a eu un petit accrochage à Anne-Sophie. Ah oui, Anne-Sophie. Ouais, c'est toi Anne-Sophie qui a eu un accrochage. Oui, oui. Bah on verra ça sur place, vas-y viens. Bon bah attends, on arrive. On arrive dans, bah attends-nous un petit quart d'heure. Ouais, ouais. Pas de suite. A tout de suite. What the fuck. Mais tu sais que là je suis morte hein. Non mais là... Mais ils vont me tuer mes parents. Bah on va dire c'est moi, enfin non, que moi je t'ai dit que t'apprenais et que j'ai mal et que t'as mal appris. Truc, quoi. Bon bah on les attend, hein. Vas-y, on les attend. A few moments later. Bon, ils arrivent au loin. On improvise. Coucou. Pas grand chose, pas grand chose. Elle a un petit souci, c'est rien. Vraiment pas grand chose. Hein. Non, vraiment. Non, c'est pas grand chose, c'est pas un prank, mais. On connaît ton prank, hein, tu nous as fait le coup l'année dernière, bon. Hein. C'est toujours pas grand-mère. Tu sais pas conduire ou quoi? Bah, je sais toujours pas conduire. Anne-Sophie, je sais pas conduire. T'as ton grand âge, tu sais pas conduire. C'est. Franchement. C'est léger, c'est léger. Non, mais c'est léger. Eh merde, mais comment t'as fait, Anne-Sophie? Comment t'as fait ton compte? Alors, il y a de la place ici. Ouais, mais qu'est-ce que tu viens foutre ici en plus? Bon, en fait, non, mais c'est de ma faute, mais c'est pas moi qui étais en train de conduire. Hein? Quoi? Bah, c'est qui? Elle a laissé conduire quelqu'un. Enfin. Vas-y, dis la vérité. Bon, m'en voulais pas. Hein. Non, en fait, je voulais juste qu'Amy elle essaye de conduire une fois parce qu'elle m'a dit qu'elle avait jamais essayé de conduire. Et du coup. Mais tu l'as laissé conduire? Ouais, mais juste. Parce que c'est une automatique, c'est pas. T'es folle, Anne-Sophie. Ouais, mais parce que c'est une automatique, c'est pas très dur en soi. C'est une Jaguar, enfin elle est puissante la voiture. Ouais, bah c'est ça le problème, je crois, c'est qu'elle était trop puissante. Je savais pas en fait, je peux faire exprès. Non, non, mais en fait, c'est de ma faute parce que c'est moi qui a. Mais c'est Anne-Sophie, elle m'a forcé en fait. Ouais, je t'ai pas mis le couteau sous la gorge. T'as pas le permis, tu conduis pas. Non, non, mais en fait, c'était juste pour essayer. Juste pour essayer vite fait. Voilà, ça a mal fini, c'est la vie. Et en fait. Enfin ouais, c'est l'accélérateur qui appuie un peu trop. Ouais, c'est sur le pied, ouais. Et bravo. Voilà. et du coup. L'accélérateur, il a accéléré. Tu vas attendre 14 ans. Bah non, mais c'est bientôt la conduite accompagnée à 15 ans, c'est pour ça. Ouais. Je voulais faire un pré-conduite accompagnée. Mais comment elle a? Tu te rends pas compte, tu as fait une grosse connerie là. Bah on a rien nous deux, ouais, c'est le principal. C'est le principal, on a rien. C'est principal. Après c'est que du matériel. Ouais c'est matériel. C'est matériel. Touche pas. Mais par contre juste comment ça se passe d'ailleurs pour le constat parce que on va faire un constat à 14 ans. Bah ouais. Ah oui c'est vrai. Bon c'est pas grave, c'est pas cher pour payer. T'as une tirelire hein? Non, t'as une tirelire. Je l'ai cassé quand j'avais 11 ans, j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. Bon, en vrai, il n'y a pas. Bah, là, il y en a quand même pour des sous. Hein. Grand chose. Oh. Bah, un pare-choc, un feu. Le feu, il doit coûter 1000 balles. Ouais. Et... Oh, on n'avait pas vu tout ça en fait. Bah, oui, hein, regarde. Pensais que c'était juste une frayure. Vous vous rendez pas compte, là, il y en a pour au moins 3-4 millions. Et si ça reste comme ça, c'est rien. Ouais, bah, si c'est pas grave, au pire. C'est que, voilà. C'est matériel, parce que. Ouais, tu viens de la mettre en vente. Et je me demande s'il n'y a pas une fuite là, regarde ça coule, il y a une fuite, j'ai un peu. Ah ouais, t'as raison. Oh. Ah merde. Ouais. Oh oui. T'as raison. Bah, allez, un radiateur, allez. Plus un radiateur. Allez, 5000. Ah ouais. Bon. De bah, façon, tu voulais la vendre. Ouais. On le dit pas. Bah, disons que tu vas la vendre, mais moins cher maintenant. Bah, on le dit pas sinon. J'ai vu la bah, ça y est, ça se voit un peu quand même. Non, on dit pas. Là, si tu regardes comme ça, en vrai, si tu la gares quelque part, ça se voit pas trop. Bah, c'est pas moi, vous vous débrouillez. Hein. Bah. Non, bah. On peut laisser comme ça, hein. Oui, reste comme ça, au pire, c'est pas grave. Ça, c'est à cause de toi, Amy. Non, on va se poser à la maison, puis on va voir comment on s'arrange avec les parents. Bah, comment ça, comment on s'arrange avec les parents, On s'arrange avec Amy. Mais moi, non, il n'y a pas d'Amy en fait. Non, mais attends, c'est Anso, qui fait conduire. Ouais, c'est Anso, hein. Tu vois ça avec ta femme, avec. Non, mais sinon, t'es là ce week-end à la maison, tu fais le ménage toute la week-end. Maintenant, je suis boniche. T'as même pas plus de la vaisselle à faire, il y a la vaisselle maintenant. Bon, en vrai, le principal, c'est que ce soit que du matériel, on est tous d'accord là-dessus. Ouais, c'est sûr. Ouais. Nous, on n'a rien. C'est le principal. Voilà. Bah, ce serait plus grave si c'était nous.
Oui, ce serait beaucoup. Bah, disons, ça, ouais. Hey, ça promet, hein. Imaginez ah, le permis, ça promet, hein. Bon, bah, par contre, bon courage pour la conduite accompagnée avec Emmy. C'est pas gagné. Bah, je pense qu'on va attendre, ouais, on va attendre un peu. Parce que c'est. Je pense qu'elle aura un chauffeur. C'est pas ça. Un chauffeur privé. Bah, ouais. C'est bien, ça me paraît bien. Bon, bah... bon, c'est pas grave. Au moins, on a rien. Après, c'est matériel et puis on voit, quoi. Ouais, ouais, tranquille, en vrai. Voilà. Vas-y, bah, super les shopping entre filles. Il y a bien cher, shopping. Mmh. Bah, à la place de faire du shopping, tu vas acheter une. Ouais, au pire. Ouais, comme si on avait acheté un truc à Louis Vuitton. Ouais, voilà. C'est la même chose. Ouais, sauf qu'il est où le truc Louis Vuitton? Il va falloir que tu bosses deux fois. Il sera sur la voiture. Voilà. Un sticker, celui-là. Un sticker, okay, voilà. Je vais t'en faire un. Allez. Ah oui? Tu m'en fais un avec un Cricut. Je vais refaire avec la Cricut. J'appelle le garage. Ouais. Bon, bah, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Bah, bon courage, Amy, pour. Pour la couette accompagnée parce que et c'est ben pas on ça. On va te laisser, Amy, hein. Allez, salut tout le monde. Bon, bah, gros bisous à tous. Hein. Anso, tu le prends bien quand même, parce que tu rigoles, mais. Bah, moi, tant qu'on a rien, c'est pas grave. Oui, en vrai, check ça. Allez, et check ça. C'est que c'est la vie en fait. Genre, c'est les aléas de la ouais, vie. Le c'est, fer, la, ouais. C'est les aléas du. Mais le fer, de toute façon, il sert à rien, on roule pas la nuit. Ouais, voilà. Voilà. Au pire, vous prendrez vos voitures. Voilà, c'est voilà. Allez, gros bisous à tous. Bisous.